Qu'est-ce qui disparaît plus vite qu'un bol de cacahuètes pendant l'apéro ? La biodiversité, absolument. Et ce qui est fou, c'est que la première cause de sa disparition, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas la pollution, non. C'est la destruction et l'artificialisation des milieux naturels, en grande partie à cause de l'agriculture intensive. Du coup, j'en suis arrivé à me poser la question, est-ce qu'il y a plus de biodiversité en ville ou à la campagne ? Je pense qu'il y a plus de biodiversité à la campagne. Oh. A priori, on dirait plutôt à la campagne. C'est pas sûr qu'à la campagne, il y a plus de biodiversité. C'est peut-être en ville. Je pense qu'il y en a peut-être plus à la campagne, mais tout dépend où. Dans nos têtes, la campagne, c'est ce tableau bucolique avec Bambi qui gambade. Et la ville, c'est plus le lieu où Bambi va faire sa crise d'ado. Mais les choses ont pas mal changé ces dernières années. Nos campagnes sont en train de devenir de véritables déserts. Un tiers des oiseaux ont disparu de nos campagnes en moins de 20 ans. On n'est pas en train de parler d'une espèce ou deux qui vont mal. On monte un crowdfunding, on crée un refuge, on sauve l'espèce. Non, un tiers des oiseaux. Et pour nos insectes volants, c'est pire. On en a perdu 75%. 75%. Et quand je dis perdu, c'est pas genre on les a rangés quelque part et on les trouve plus. C'est un véritable génocide entomologique qu'on a organisé. Alors comment a-t-on réussi cet exploit ? Eh ben, au cours des dernières décennies, on s'est lancé dans un espèce de relooking de nos paysages agricoles. On a décidé d'enlever les haies, les arbres, pour pouvoir cultiver des surfaces de plus en plus grandes. Résultat, les animaux maintenant. Ils recherchent désespérément un logement sur Airbnb. À tel point que si tu t'amuses à comparer un champ à une petite ville, ben, tu te rendras vite compte qu'il y a plus d'arbres en ville. Hein. À Nantes, le Jardin des Plantes héberge 69 espèces d'oiseaux sur à peine 7 hectares et Paris accueille plus de 2000 espèces sauvages. C'est fou, non ? On a également supprimé les jachères obligatoires et mis en culture pas mal de prairies permanentes. Ce qui est dommage quand on sait que les surfaces enherbées, bon, c'est un peu the place to be quand t'es un insecte ou un reptile. Et enfin, comment parler de la chute de biodiversité sans mentionner les pesticides ? Il est évident qu'en supprimant des insectes ou en éliminant une partie des végétaux, on diminue les ressources alimentaires et les habitats de nombreux animaux. En France, chaque année, on en balance entre 50 000 et 70 000 tonnes. Et ça reste pas tranquillement par terre à se biodégrader. Oh que non, ça va dans l'air, dans les sols, dans l'eau. Ces trucs voyagent plus que Mike Horn. Récemment, on a même retrouvé du DDT, un insecticide interdit depuis 1972, au pôle Nord. Au pôle Nord, hein. Grande région agricole mondiale, où l'on cultive essentiellement de la glace, je le rappelle. A l'inverse, les villes commencent à prendre en considération la biodiversité dans la gestion de leur territoire. Et certains espaces verts deviennent même des zones de refuge pour la faune. Alors ça peut paraître paradoxal, mais certains milieux urbains ont une biodiversité plus stable et plus diversifiée qu'à la campagne. Évidemment, les deux milieux sont chacun à leur manière artificialisés, mais les perturbations en ville sont moins régulières et touchent rarement plusieurs dizaines d'hectares en même temps. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On sauvera pas le monde en faisant des jardins dans du béton. La majorité de nos espèces menacées sont dépendantes des champs. Nos espaces verts ne remplaceront jamais la diversité de nos campagnes. Parce que les plantes et les animaux qui veulent bien s'installer en ville, c'est les seuls qui arrivent à supporter nos voitures, le bruit et la pollution. Faut quand même avoir sacrément envie de vivre. Au final, ce qui compte, ce n'est pas tant de savoir où est-ce qu'il y a le plus de biodiversité, mais comment on la préserve. Car en ville comme à la campagne, elle est essentielle. Elle régule notre climat, purifie notre air, pollinise nos cultures. Sans elle, c'est tout notre équilibre qui est menacé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, pense à t'abonner, mettre un like et activer la cloche. Les vidéos de visite de ferme vont reprendre d'ici la fin du mois de septembre. Je vais aussi vous faire des vidéos sur ma ferme, peut-être même le résultat du potager punk qui arrive très prochainement. Et en attendant, si tu veux venir me voir en spectacle, eh ben, y a encore des dates. Regarde, elles sont là, elles s'affichent devant toi. Allez, à très vite, ciao !